Archambault est un constructeur de voiliers qui existe depuis 50 ans, que j'ai repris après des difficultés financières fin de l'année 2011, donc assez récemment. Ce sont des voiliers de plaisir, ce sont des voiliers de performance, des voiliers rapides et des voiliers de régate. Et ils font entre 7 mètres pour un bateau qui est très connu qui s'appelle le Surprise, jusqu'à 13 mètres qui est le prochain bateau qu'on sort, donc des budgets qui sont entre 40 et 400 000 euros TTC. Pourquoi nous avons postulé au concours Créa Vienne? C'est un concours de circonstances, à vrai dire. J'ai chargé ma compagne de s'occuper des rapports avec les différentes instances locales. Et à ce moment-là, il se trouve que j'habite à Paris, près de la Porte Maillot, et que la Vienne était présente à un salon, je pense, des entrepreneurs, juste à côté de chez nous, donc Porte Maillot. Le marché sur lequel la construction de voiliers est un marché qui a baissé de 70% depuis 2008. Alors la reprise que j'ai faite tient compte effectivement de ces éléments, puisque l'entreprise s'était ajustée en termes de taille et d'effectifs. Donc aujourd'hui, on s'efforce de lancer des nouveaux produits qui sont performants sur le marché, qui ont un avantage compétitif, pour pouvoir, dans un premier temps, maintenir le niveau de production et dans un deuxième temps, le développer. Si on a le plaisir d'être lauréat du concours Créa Vienne, je crois que de toute façon, de gagner quelque chose, ça fait toujours plaisir. De participer à quelque chose de sympathique et qui aussi montre la volonté du département d'aider ses entrepreneurs et de susciter des vocations.